Bon, 2 semaines avant, il nous fait des placements de produits pour un brûleur de graisse de chez Prozis. On a l'autre, ce gros qui se met à... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvin Tillière qui clash très fort certains candidats de télé-réalité dont Sarah Frézou ou encore Ricardo. En effet, à l'instant, le jeune homme s'en est pris aux deux personnalités qui, selon lui, pourrissent les réseaux sociaux de faux témoignages avec leurs faux placements de produits pour un soi-disant corps de rêve, alors que derrière tant d'efforts se cachent surtout de nombreuses interventions de chirurgie esthétique. Marvin fait alors passer un message indirect aux deux principaux candidats et les tacle très fort. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. On m'éclaircisse sur un point parce que ça commence à devenir assez barbant de voir des faux sportifs utiliser du fitness pour essayer de s'en sortir, que ce soit l'autre portugais qui nous fait du sport pendant 3 semaines et après il finit par aller se faire une liposuction. 2 semaines avant, il nous fait des placements de produits pour un brûleur de graisse de chez Prozis. On a l'autre, ce gros qui se met un anneau, mais en fait, elle fait du sport et elle vend des... Sans parler de l'autre oisillon de l'espace, mi-acteur, mi-danseur, mi-bounty, frère, avec son oreillette, il anime maintenant une émission de sport. T'as le BPJEPS, AGFF. T'es diplômé, t'as quelque chose pour pouvoir montrer aux gens des exercices, des... à part faire des abdos dans ta vie, t'as fait quelque chose de sportif, de réellement sportif. Je comprends plus rien. On donne de la crédibilité à ces gens-là. Voilà, c'est incroyable. Arrêtez d'utiliser le fitness à mauvais escient, s'il vous plaît, parce que ce qui m'énerve avec ça, c'est qu'ils vont vous faire croire que maintenant, avoir une paire d'abdos, ça veut dire être sportif. Genre, j'ai un taux de graisse bas. J'ai des abdos voyants, je suis un sportif. T'es juste skinny, poteau. Il n'y a rien de plus facile que d'être sec. T'es skinny, t'es rince. Ah, je comprends pas, moi. J'ai pas compris. J'ai vu des émissions, des gens, ils s'entraînent. J'ai pas compris, frère. Et les gens qui sont à la salle, ils disent rien, frère. Faut pas venir faire ça dans ma salle. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je vous préviens, vous avez choisi la bonne salle. Venez pas faire ça dans une autre salle. Hein. Je vous le dis parce que matériel, tête, tout va être volé. Comme ça, vous savez. Et non, je sortirai pas de blaze. À chaque fois, ça va porter plainte au commissariat du 8e, du 16e, de Levallois, du 2e. Oh, ça y est, frère. Ça y est. J'en ai marre de payer mon avocate. Elle est super gentille. Je la kiffe. C'est une bombe. Mais t'as vu, j'ai pas que ça à faire, frère. Donc sortir des oeblas, je ne ferai plus parce que ce sont... tous des cimetières. Oh. Et c'est à cause de ce genre de choses qu'après je prends le mort, je me réveille mal. Et après je commence à tous vous insulter, je commence à ressortir tous les dossiers sur vous. Vous commencez tous à prendre sur la gueule. Parce que c'est à cause de ça, j'en ai marre de voir des imposteurs, j'en ai marre de regarder mes réseaux, de voir que de la merde. Oh ça me gave, trouvez un truc à vous, je sais pas. Il y en a fait de la télé, il y en a fait de l'acting, il y en a fait des cascadeurs, il y en a fait des bounty, il y en a... Oh frère, il y a plein de trucs à faire dans la vie. Il y a plein de trucs à faire. Faut pas venir pomper ce que les autres font. Chacun a son domaine. Tu vois ce que tu vois ou pas? Il y en a, ils sont faits pour... Plein de trucs comme ça. Faites ce que vous savez de faire de mieux et laissez le sport aux vrais gens. Pour de vrai, même si, ok, oui, il y a les vues, il y a les likes. Arrêtez d'induire les gens, les jeunes. Enfin bref, moi, c'est un moment que j'ai abandonné avec l'humanité. Je sais plus quoi dire, en vrai.